Voilà, bonjour Jean. Comment ça va André? Ça va bien. La forme? C'est facile pour monter aujourd'hui. Ouais, fraîchement, hein. Je t'ai amené donc plusieurs produits de Ah bah ça c'est carbone. magnifique, tu vois, c'est ça que j'aime moi Voilà. sur le carbone. Quand c'est bien blanc Bien comme blanc à ça, là, comment tu l'intérieur. fais pour y avoir blanc comme ça? Et bien, c'est des carbones qui sont empaillés Ouais. un par un, et ensuite rentrés dans des granges, dans une serre ou dans une tranchée. Celui-ci c'est un carbone tranché, donc qui peut durer longtemps jusqu'au mois de février. C'est la limite. Après c'est difficile d'avoir un carbone qui ne s'abîme pas. Et la tranchée permet l'aération, permet la conservation hors gel par l'effet cave de la tranchée. Une tranchée qui D'accord. fait 1m10, 1m20. Voilà. Parce que moi, je fais, tu vois, juste avec ça, je fais une Saint-Jacques avec la noisette, c'est un mariage qui est C'est parfait. sûr. Plus que celle-là, ça peut être bon. Après, c'est plus difficile. Non, après, c'est pas tendre et après, tout. C'est plus pour un gratin. Et là, t'as mis quoi? Des pommes de Savoie Des pommes de la Haute-Savoie, là. Pommes de chez Lacroix Ouais, Haute-Savoie. d'accord. Donc, Passe-Crassane, Conférence, etc. Ça, c'est Super. un chou de chez nous. Ça, c'était pour te montrer le travail de A à Z. Ouais. Ça, c'est des plants. Donc, c'est ce qu'on est en train de planter maintenant au mois de janvier, sous tunnel. Donc, on plante le navet, la batavia, Donc là, tout ça, l'épinard. là, tu vas y planter bientôt ça On alors. est en train d'y planter, on commence D'accord. demain. Et là, tu vas récolter quand après Et alors? ça, on récolte dans un mois et deux mois. Deux mois. Ah oui, quand même, dans un mois. Ah ouais, c'est long, c'est très long. Ah bah, la Savoie, c'est une période, un endroit difficile pour faire du Et tout légume. ça, c'est bio alors? Tout ça, c'est bio. Le terreau est bio, tout est bio. Je suis en bio donc depuis, comme tu le sais, depuis 78 78, bah c'est avec mon père, ma date de ton naissance. année de Ouais. naissance. Ça devait être écrit quelque part. Bah ouais. Peut-être, on n'en sait vraiment rien. Une belle rencontre. Et puis D'ailleurs, dans c'est bio, ça ce qui qui est nous important a. de dire, c'est bio, la bon. C'est bio comme bon, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Et Mais pour parce nous, que... tu sais que pour nous, producteurs, bio comme bon, c'est surtout pour toi. Pour nous, c'est bio comme sain et comme là, une réalité agronomique, quoi. On se bat pour que la plante pousse avec la nourriture qu'on met dans le Bien sol sûr. et non pas avec une nourriture artificielle qu'on balance dans les pots. Après, le goût se Ça ressent change tout, dans le voilà. produit, ça change Et tout. c'est dans ce sens-là qu'on s'est Ouais. rejoint d'ailleurs. Et t'arrives même à faire des kiwis en Non, des les kiwis? kiwis viennent de Livron. D'accord. Donc c'est des kiwis de chez. Peu importe, j'ai perdu le nom. À Livron, donc à la frontière de Ouais. l'Ardèche. Et puis voilà. Donc ça c'est de Et l'épinard. ça, qu'est-ce que c'est là Ça comme. c'est un radis noir. Ah, ça, Radis j'avais noir mais rond, rond comme une ça. ancienne Hein. variété de radis noir. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est plus tendre que le radis long, non? C'est légèrement différent, mais pas bien différent. Mais D'accord. le radis noir long est plus connu. Pourquoi je n'en sais rien. Putain, c'est Mais nous, magnifique on aime ça. bien faire les deux. Ça permet, parce qu'on voit aussi le côté réussite. Et en fait, l'un marche mieux que l'autre, certaines fois. Donc, ça permet Ouais. d'avoir toujours du radis noir. Dis donc, là, j'ai ça qui m'intriguait, moi, tout à l'heure. Ça, c'est Qu'est-ce que un c'est que crochet ça? de Savoie, dont la graine vient de Tresserve. C'est un Donc, haricot crochet de Savoie. voilà, c'est haricots que je connais Voilà. qui sont verts et Qu'on donc, consomme surtout en donc là frais. c'est séché Surtout en ça. frais. Et là, il est Ouais. séché. Moi, Donc, ça, à la fois j'adore, c'est pour haricots séchés. ressemer et à la fois pour faire cuire, quoi. Alors, il existe en noir et en blanc. D'accord. Crochet de Savoie. C'est un Bon, haricot qui se ben. consomme cuit avec le goût, la graine déjà légèrement formée. Ouais. Ah, on est bien d'accord. C'est un peu fariné. Et ben, avec tout ça, elle a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Ça, c'est du potimarron. C'est du potimarron. Vous avez aussi quelque chose d'étonnant Est-ce que dans vous la. pourriez, excusez-moi, est-ce que vous pourriez expliquer au chef pourquoi vous venez jusqu'ici lui apporter le produit, enfin Pourquoi pourquoi lui, il avait envie de ça aussi voilà, discuter naturellement Voilà. de l'acheminement qui n'est pas évident, ici. D'accord. Et quelle est la raison qui vous pousse aussi, Hein? à Tous les discuter deux, entre vous, à venir apporter les produits et à travailler ensemble, tout simplement. Tout à fait, on est en train de mettre en place, j'y vais, Oui, on est en train de vous mettre en discutez place ensemble, hein, un partenariat de travail, comme on dit. Enfin, du moins, tout simplement d'amener des produits, Ouais. parce que tu en avais envie. Bah, pour moi, tu vois, dans un établissement comme moi, si tu as donné 3 semaines d'études, c'est important d'avoir des passionnés comme toi, des épicuriens du bio, pour justement défendre le goût, défendre la qualité des Ah ouais. produits. Et ce que les clients ils recherchent à venir manger chez moi, c'est non seulement manger avec des saveurs variées, mais aussi manger sainement. Et ça, c'est très important. Quand on vient dans un restaurant gastronomique, c'est non seulement pour trouver des produits de qualité, manger sainement. Trouver des produits variés et m'entourer de personnes comme toi, c'est très important d'avoir des gens comme toi qui me soutiennent dans mon travail. D'accord. Et j'en suis super content que tu m'amènes tout ça. Et D'accord. en plus, ça vient d'Aix-les-Bains, c'est Ah ma ville natale. Donc, oui. elle a un côté de cœur Tout à qui est fait. dans tout ça. Et Tout à ça, fait. c'est sympa. C'est très important et pourtant, jusqu'à maintenant, c'était toujours mis au second plan. Ouais, D'accord. bien Hein. sûr. C'était d'abord le visuel. Ouais. C'est toujours d'abord le visuel, globalement en France, hein, et même en Europe. C'était d'abord la conservation, la longueur de la conservation et non pas le goût. Toi, tu privilégies ça, c'est en ce sens-là qu'on a pu se rejoindre, puisque moi, je suis un producteur qui s'est plus adapté à une production de demi-gros ou de vente sur les marchés, mais j'ai jamais été adapté à vendre à la restauration. Et c'est vraiment la qualité intrinsèque du produit qui t'a intéressé, et tu t'es dit, mais il y aura plus de matière sèche, il y aura plus de goût, il y aura plus de couleur, Moins il de y aura la pertes. vraie couleur, il y aura moins de pertes, etc.
Et donc, on n'est pas dans une logique, pour l'instant, de rentabilité entre nous deux, mais de mise en place de travail ensemble, quoi. C'est de la passion avant tout. Oui, tout à fait. Ouais. Transmettre des belles choses et des bonnes choses, et ça, c'est important dans notre métier. Pour toi, de la passion, pour moi, de l'agronomie. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je prétends que la bio, c'est vraiment comme ça qu'on doit travailler en agriculture. On nourrit seul au lieu de nourrir la plante. Tu sais, là, je viens de mettre en place une nouvelle. Maintenant les repas pour les enfants de la crèche, ouais. Et là où je me bagarre aussi, c'est que pour les enfants, je leur fais manger des produits, ouais, bio, des carottes, etc. Et ça, c'est important de leur faire découvrir le vrai goût, ouais, et surtout d'avoir des vraies vitamines. Et ça, c'est très important dans notre métier. Tout et, à fait. Ouais. Et ça, grâce à des gens comme toi, on va y arriver et on va se battre et faire c'est des. C'est sûr que depuis 78, il a fallu une abnégation, une volonté, et on va être costaud pour tenir. Ça personne ne nous aidait. Ça ne pas être évident au on début. On a commencé. Au tout début, le bio n'était pas comme aujourd'hui reconnu. Ouais. Ouais. Je me souviens qu'on a balancé pendant 4 ans tous les chou-fleurs, toutes les tournées de chou-fleurs, pour la mouche du chou. Et c'était compliqué. On a travaillé sur des filets avec une boîte de Saint-Clair de la Tour qui maintenant vend ses filets, par exemple hollandais, pour protéger les oignons de tulipes. Et ça a démarré chez moi, les essais. Le premier terreau bio qui a été utilisé, parce que ouais, ça c'est un terreau fertilisé sans engrais chimique. Pour vous, visuellement, c'est rien du tout, hein, ouais, pour tout le monde. Mais en fait, c'est fertilisé avec de l'engrais organique. Ça paraît, il a fallu des années pour mettre ça au point. Et le premier terreau bio a été mis au point chez moi aussi. C'est pas pour me mettre en avant, c'est ouais, pour dire qu'on a fait partie des gens qui se sont battus en croyant à ce truc-là. Exactement comme le relais que tu bien prends sûr, maintenant, hein, ouais, et la si tu veux, la reconnaissance que tu nous donnes, c'est la meilleure, c'est la plus ouais, importante. C'est pour ça que je suis là, je ne cherche pas bien sûr, un problème de rentabilité à court terme. Non, mais c'est vrai qu'avant, le bio était mal vu dans nos restaurants, tandis qu'aujourd'hui, nos restaurants étoilés, c'est important aussi d'avoir des produits bio, et aujourd'hui, c'est pas mal vu. C'est important pour nous, quoi. Mmh. Je le conçois, et ça me paraît tout à fait normal. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours étonné, je suis tout de suite étonné. J'ai participé il y a 6 ans à un petit concours de cuisine ouais, au Fontanil. Ouais. Je fais deuxième avec un cochon à ma façon, quoi. Ça s'appelait cochon en été et en hiver. Et il y avait tout le monde, hein, tous ceux que tu connais, Bouvier et compagnie. Et j'ai eu le deuxième prix. Je me disais, tiens, il y en a bien un qui va me demander, est-ce que tu fais du bio, est-ce que tu pourras en vendre dans nos. Personne n'a rien demandé. Donc ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et c'est pour ça que j'ai été très sensible à ce que tu as fait. On ne travaille pas pour rien, on travaille vraiment pour une réalité qui est vendre et qui est faire manger du naturel aux gens, quoi. Pas empoisonner les gens. Bah, du reste, moi ce que j'adore, c'est l'intersaison sur le marché d'Exlemin et puis tu as un stand qui est magnifique. Mmh. Et encore, on le répète, on ne fait pas les choses uniquement pour la beauté, mais pour la beauté intérieure. Ouais. Je ne vois pas pourquoi faire du légume bio si c'est pour en mettre plein la vue. Aucun intérêt, on ne serait même pas capable de le faire, ça demande plus de main-d'œuvre, c'est plus difficile, on n'a jamais la bonne taille, ouais, on a un calibre, des fois même des couleurs différentes, pas forcément attractives, etc. Mais notre but, c'est d'avoir le goût au top et la qualité, pas de résidus, quoi. Le moins de résidus possible en Europe. Voilà. Bon, super, allez, sur ça, on va essayer de faire 2-3 recettes sympas avec tout ça, alors. Mmh, hein, tout à fait. Allez, feu. Voilà. Okay. C'est ce qu'on appelle des plans de coupe. Ah, oui. Là, on vous a eu plutôt en large. Donc, on va vous remettre en travers. En travers, au même endroit où vous étiez au début, à montrer les produits. Attends, je fais 2-3 plans d'écoute avant. Ouais.